Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau reportage. On est à l'E3, évidemment, derrière moi il y a le stand Sony, en l'occurrence les Spider-Man en particulier, auquel j'ai pu jouer. Alors c'était une démo en monde ouvert à laquelle j'ai pu m'adonner en l'occurrence. C'était bien parce que ça permet aussi de se rendre compte un petit peu du style du monde ouvert de Spider-Man. Alors en termes de gameplay, ce que ça donne, franchement, ça, on va pas se mentir, c'est super agréable à prendre en main. Alors pour une raison toute simple déjà, c'est que c'est extrêmement fluide au niveau des déplacements. Au début, ce qui est bien, c'est que le jeu vous guide pas mal, donc même si vous ratez un petit peu, que vous réussissez pas très bien un saut, le fait que Spider-Man ne meurt pas spécialement en tombant ou quoi que ce soit, il va se rattraper facilement, nous aide à commencer à rentrer en fait dans la partie et à se sentir à l'aise. Et rapidement on comprend qu'il y a quelques petites subtilités comme la possibilité de tirer des toiles pour continuer d'avancer en l'air parce qu'on va lancer une impulsion, le fait de se balancer aussi, on commence à saisir la mécanique après quelques moments. On peut également s'accrocher à deux toiles en utilisant les deux mains. En plus tout est fait via les gâchettes, donc L2 et R2. C'est plutôt intuitif, franchement une fois qu'on est bien lancé, on n'a aucun mal à se déplacer, et sur ce point de vue là, Spider-Man est vraiment bien foutu. Au niveau des combats c'est un peu la même chose, parce qu'on retrouve un système proche de Batman Arkham mais en beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique encore. Donc c'est difficile à prendre en main, on peut rapidement mourir si on s'applique pas un minimum. Moi c'est ce qui m'est arrivé en l'occurrence dans la démo, parce que j'avais pas encore tous les contrôles et toutes les techniques, et puis je suis tombé sur un ennemi avec un bazooka qui m'a bien fait mal. Mais clairement ce qui est intéressant c'est que on va retrouver les grands classiques, l'ennemi avec son bouclier où il faut faire une petite esquive avant pour passer en dessous ses jambes et le taper dans le dos, les ennemis avec des bazookas, il va falloir essayer de lancer notre toile pour leur voler leur arme ou la faire tomber et faire en sorte de les désarmer et de les gêner. Voilà, il y a des grands classiques mais ça fonctionne très bien. Et puis il y a même eu un petit combat de boss en l'occurrence que j'avais fait à un moment donné où on pouvait des techniques particulières pour le battre, où il fallait récupérer des objets et lui balancer à la tête et essayer de profiter du moment où il était hébété pour terminer le combat. Sinon au niveau réalisation, ce qui est intéressant dans ce Spider-Man c'est que visuellement, alors je vous cache pas, c'est très joli visuellement, surtout ce sont les animations qui sont très réussies. Alors ça va de pair avec la fluidité des mouvements, mais on sent Spidey qui s'amuse, qui va faire des petites cabrioles, des saltos, ce genre de choses entre deux sauts, et en fait tout paraît encore une fois très fluide là aussi dans les animations, ce qui fait que on y croit vraiment, on a le sentiment non seulement d'être dans le contrôle mais en plus que visuellement ça rend parfaitement bien. Donc en plus Manhattan est assez grande, bien modélisée, et on a le droit à une distance d'affichage correct, donc de ce côté là c'est du tout bon. Évidemment il y a aussi la partie open world dont on peut parler, puisque là en l'occurrence on s'essayait à différentes activités. Alors par exemple moi ce que j'ai pu faire, j'ai pu sauver des personnes parce qu'il y avait une espèce de braquage en cours et des voleurs qui se barraient avec un camion rempli de avec une bombe et ils voulaient faire exploser un truc. J'ai pu les sauver, donc en gros ça se passe de manière très classique. En gros tu te balades dans le monde ouvert et tout d'un coup tu comprends que on va te prévenir, tiens il y a un casque qui est en train de se produire, ou alors tu vas capter les fréquences de police et comprendre qu'effectivement quelque chose ne tourne pas rond. Tu peux intervenir ou alors tu peux complètement dire oh non peu importe, je vais pas intervenir, je vais laisser le truc couler. Moi c'est ce que j'ai fait, je suis intervenu en l'occurrence. J'ai préféré essayer d'aller sauver les personnes en question. Alors là par contre il y a un côté un peu QTE où on va se retrouver sur une bagnole et on va pouvoir se placer sur le côté, sur un des deux côtés de la bagnole ou sur le dessus, et en fonction d'où l'autre va essayer de nous tuer, il va falloir se placer sur le bon côté pour l'esquiver et le tuer. Bon, c'est rien de très compliqué à prendre en main, mais c'est cool parce que ça rend très très bien visuellement. Et en plus j'avais pu essayer d'autres braquages où ça se passait pas de la même manière, comme par exemple un dans une espèce de bijouterie je crois, où la caméra était figée, du coup il y a une séquence de combat dans la bijouterie avec les braqueurs qui était plutôt chouette. Ils ont pas mal d'idées en tout cas sur cet open world, parce qu'au-delà de ça, tu vas avoir des missions plus classiques qui vont se déclencher en fonction des points où tu vas aller, notamment des bombes à désarmer, ce genre de choses. Et par contre, il y a quelques petits collectibles. Alors c'est mon inquiétude, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, parce que c'est sympa les collectibles, mais à petite dose, j'espère qu'on n'aura pas 50 000 trucs à aller récupérer. C'était pas parti pour être le cas, mais bon, on verra au moment de la sortie du jeu, qui, je le rappelle, est prévu pour le 7 septembre prochain, donc ça arrive très très bientôt sur PlayStation 4. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour d'autres reportages. Ciao tout le monde!